Salut Lustig, c'est Manaxul et bienvenue dans la passionnée de musique découvre. Là, c'est une vidéo dans laquelle j'essaie de découvrir des artistes ou des morceaux que je ne connais pas, et ce majoritairement grâce à vos suggestions, donc un grand merci pour ça. Je rappelle les deux petites règles que je m'impose sur la série de vidéos, ne pas poser pendant les morceaux, enfin vraiment garder l'intégrité de la track telle que l'artiste l'a voulu, et balayer tous les styles musicaux, se balayer du jazz ou hip-hop à des trucs un peu obscurs, des crossovers de genre, du death metal, des trucs plus ou moins extrêmes. Je trouve qu'il y a du bon partout, donc on va pas se priver. D'ailleurs, aujourd'hui, on attaque un morceau d'un groupe que je ne connais pas, mais en fait, je suis tombé sur le top 20 des albums de l'année d'un mec que j'apprécie beaucoup. Et il y avait ce groupe qui s'appelle Atlas, que je connais pas du tout. Je sais que ça l'orne du côté du métal, mais je sais pas en quel domaine exactement. Avec le morceau Uko. Donc je suis curieux. Un morceau de 4 minutes 30, je sais vraiment pas vers quoi on se dirige. Donc on va écouter ça ensemble et puis on se fait un avis ensemble. Allez, c'est parti avec Atlas Uko. Ok, très nordique. Un peu folklorique, folklore scandinave. Oh, c'est lourd. Oh, ça sonne très gras, une grosse basse. Oh, ça frappe fort. Ok. Très, je sais pas, viscéral et comme solennel dans le sens, on dirait, ouais, une sorte d'incantation, je sais pas. Ok. Très moderne dans la voix. Le mix est monstrueux. Oh, ce côté lancinant de la gratte qui revient là, ça. Très très spécial, c'est bon, très très bon. Là, il y a juste la basse là. Elle frappe fort. Oh, le breakdown. Oh, le batteur, il a déglingué sa cymbale. Avec les back vocals là, très très bon. Les gros cœurs derrière là. Très 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 bon. J'aime bien l'approche musicale de leurs morceaux. Clean là. Très très fortement imprégné du folklore scandinave. Hein. Peut-être qu'ils sont. Uko, ça sonne finlandais comme mot. Probablement peut-être finlandais. La lourdeur et en même temps la mélodie de la voix. Même le clip, il est juste somptueux. Oh, ça devrait être interdit. Yeah.
chevêtre. Tellement beau. Yes, 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 yes. C'était Atlas avec Uko. Produit, enfin le clip produit par le visuel Rivata Rip Visuo. Rivata avec deux i, oui, ça sonne très finlandais. C'était un morceau extraordinaire. Je me remercie moi-même d'être tombé dessus. C'était vraiment, vraiment très intéressant. Jusqu'au dernier tiers, j'aurais dit, tu vois, que le groupe, ils avaient une approche de la musique assez spéciale, c'est-à-dire des passages un peu folk, calme, qui donnent bien la mélodie, et les passages où on est plus dans du métal lourd, moderne, classique. Il y a aucune approche de la mélodie. Le but c'était que ça soit incisif et frappant jusqu'à la fin où ils m'ont fait mentir avec cette espèce de côté très très lourd à la fin, mais avec les voix mélodiques derrière. Que demander de plus? C'est vraiment, j'aime beaucoup leur approche musicale. Ça, c'est y a beaucoup de choix qui ont été faits dans le morceau, et cette espèce de redondance de martelage de session rythmique basse batterie qui est tout le long des couplets, je trouve ça d'une force énorme, avec aussi, comme je disais, les moments plus calmes où ils empruntent beaucoup au folklore scandinave, probablement scandinave, peut-être finlandais, dites-moi en commentaire si vous savez si le groupe est finlandais ou pas. Il y a d'autres groupes qui s'appellent Atlas, mais bon, je pense que là c'est un Atlas finlandais, en tout cas Uko ça sonne finlandais. Et ouais, très très bon morceau, production elle est on point, elle est parfaite, les vocals ils empruntent au moderne, avec les voix claires en plus derrière, très très bien. Alors je trouve que c'est moderne, mais en même temps il y a une petite touche, ils ont une petite touche personnelle, un truc un peu atypique, tu vois. Et j'aime beaucoup ce qu'ils proposent. Si tout l'album est comme ça, c'est sorti en 2021, donc j'espère que j'irai chercher un petit peu l'album, parce que si tout est comme ça, ça va être ça doit être un banger tout le long. C'est vraiment très très bon. Ils proposent des choses différentes des autres. J'aime beaucoup cette approche très rythmique, très lourde, pour te marteler quelque chose dans le couplet, comme je disais, ça m'a vraiment marqué, m'a mis une bonne grosse claque, et globalement, ouais, le morceau est juste extraordinaire, je trouve, du début à la fin. Donc j'espère que vous avez apprécié, dites-moi en commentaire si vous avez apprécié ou pas, et puis moi je vous dis à la prochaine, Loustic. Allez, ciao, des bisous.